Good morning, allez, Yiden, les tuteurs aujourd'hui, les Lunish, Matam Ramiona, Ben Khana, Peggy Bat Esther, Nissim Ben Aouda, et aussi deux fois, Wood Bat Claudine Traina, nous étudions Maserhet Edouyot, Perek Gimel, Mishnah Zain, Arbaa Svekot Rabbi Yoshua Metame, Rachamim Metaharin, Keitzad, Atame Omed, Vatahor Over, Atahor Over, Omed, Vatame Over. Touma birshut hayachid v'tahara birshut harabim, tahara birshut hayachid v'touma birshut harabim. Safek naga, safek lo naga, safek he'il, safek lo he'il, safek hesit, safek lo hesit. Rabbi Yoshua metame, v'chachamim metaharin. On va parler dans notre Mishnah d'une grande règle qu'on a déjà évoquée d'ailleurs, de touma et de tahara, qui nous dit « Safek touma birshut hayachid tamé, safek touma birshut harabim tahor ». De manière générale, lorsqu'on a un safek dans la Torah, pour n'importe quel halakha, alors il y a des règles bien définies de chazakot, comment, dans le cas de doute, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un doute. Il y a un morceau de viande posé, on ne sait pas est-ce que c'est kasher ou est-ce que c'est taref. Il y a des règles. On ne sait pas est-ce que il y avait, on a fait cuire de la viande dans une casserole, on ne savait pas est-ce que c'était une casserole bassarite ou halavite, peut-être que c'est devenu assourd. Sur tout ça, il y a des règles. Il y a de manière générale, enfin toujours, en cas de doute, on va dire misafek, tu es mamie sur la chazaka. Il y a une grande exception à la règle, c'est pour les ilchot touma vetahara. Une notion qu'on a déjà évoquée, lorsque j'ai un doute, est-ce que j'ai touché ou non un objet tamé, donc est-ce que je suis devenu tamé ou non, si le doute, si la scène s'est passée dans le Reshut Hayachid, dans un endroit qui n'était pas fréquenté par trois personnes, alors on va dire Safek Touma Birshut Hayachid tamé, et si ça s'est passé dans le Reshut Harabim, alors on va dire Safek Touma Birshut Harabim tahor, soit dans un lieu privé, dans le domaine privé, donc dans le doute on va dire que c'est tamé, mais c'est tamé betorat vadaï. Et si ça s'est passé dans le Reshut Harabim, on va dire que c'est tahor. On va plus se fonder sur les chazakot, mais on a d'autres règles. Tout ça s'est déduit de la sota, il y a là-bas un ribouille. Je me souviens qu'on en a parlé il y a vraiment moins d'un mois, on a dû parler dans une des Mishnayot. Il y a un ribouille spécial dans l'ilchot de la sota pour nous apprendre que dans le doute, on va la rendre. La femme sota, c'est la femme qu'on la soupçonne d'avoir fait un adultère. Et donc, si elle était elle s'est isolée dans un lieu, dans le Reshut Hayachid, dans un domaine privé, on va l'interdire. Si elle s'est isolée, mais dans un lieu public, donc c'est pas un endroit adéquat pour faire le issour, de ce fait, dans le doute, on va la permettre. Et de là-bas, il y a un limoud spécial, la Torah elle déduit, la Gemara elle déduit, c'est dans Maseret Nida, Daf Gimel Amud Alef, la Gemara elle déduit là-bas cette fameuse règle qu'on a évoquée. Maintenant, dans notre Mishnah, on va apprendre 4 cas de Safek qui ont pour principe qu'on a un doute, est-ce que ça s'est passé dans le Reshut Hayachid ou dans le Reshut Harabim. Soit, par exemple, il y avait deux objets, on va prendre le cas, le troisième cas qui va être évoqué, deux objets qui étaient posés, un dans le Reshut Hayachid, un dans le Reshut Harabim. Je marchais dans la rue et il y avait, c'est-à-dire on sait qu'il y avait deux morceaux de viande, ou deux animaux morts. Un c'était un lézard mort, donc quelque chose qui rend tamé, et l'autre c'était un autre animal qui rend pas tamé, s'il est mort. Et je l'ai touché, et je ne sais pas si j'ai touché le tamé ou le tahor, par exemple. Alors là, est-ce que on va dire que, c'est-à-dire, soit j'ai fait passer ma main à travers la barrière, donc j'ai touché ce qui était tamé, soit j'ai laissé ma main du bon côté de la barrière, donc j'ai touché ce qui était tahor, ou le contraire, par exemple. Est-ce que dans un cas pareil, on va dire que c'est un safek touma birshut hayachid, t'as un doute dans des ilchot touma, puisqu'il y a ici le Reshut Hayachid, donc on va dire qu'on va être mahmir, c'est devenu assourd, ou bien non, puisque finalement, il y a aussi une éventualité que tu es resté dans le Reshut Harabim, dans le domaine public, de ce fait, dans le doute, on va dire que tu es pur. Il y a sur ça une discussion, c'est tout le principe de la Mishnah, ça va être évoqué de plusieurs sortes. On va d'abord traduire maintenant les cas, après on va mieux les évoquer, les expliquer. Arba Asfekot, Rabbi Yoshua Metame, Vachachamim Metaharim. Dans quatre types de safek, quatre figures de safek de doute. Rabbi Yoshua rend tamé et Chachamim dit qu'il faut malgré tout laisser pur les choses. Soit
comme ce qu'on a évoqué, puisqu'il va y avoir, ça va être évoqué à la fin de la Mishnah, puisqu'il va y avoir une éventualité que le doute s'est produit dans le Réchout à Yachid, alors de ce fait, Rabbi Yoshua va te dire, ah, Réchout à Yachid, Sfeko, Tamé. Et Rabbi vont dire, non, c'est peut-être dans le Réchout à Yachid, peut-être dans le Réchout à Rabim, donc Réchout à Rabim, Sfeko, Taor. D'accord, vous avez compris le principe? Maintenant, on va voir les cas de figure. Keitzad, Atamé, Omed, Veatahor, Over. L'impur est debout et le pur passe. On lit le deuxième. Atahor, Omed, Veatamé, Over. Ou bien l'homme pur se tient debout et l'homme impur est celui qui passe. On parle de quoi? Alors, c'est une notion qu'on a évoquée dans une des émissions précédentes. Je n'avais pas voulu rentrer dans le sujet, mais maintenant, c'est l'occasion de le présenter. Jusqu'à maintenant, pour communiquer la Touma, on connaît le contact, Maga, on connaît le Heset, le fait de déplacer même si je ne touche pas directement, le fait d'être Mesit, Hesit, d'accord? Et Kola Noset, Noset, Nivlata, Itma, Da'erev, c'est marqué dans la Torah sur celui qui déplace une Nevela, un cadavre de vache par exemple. Et il y a par ça la Touma Ta Ohel, le fait d'être sous un même toit avec la Touma. Pour la Touma Ta Ohel, elle ne concerne de manière générale que le mort. Mais il y a quand même un cas particulier qui ressemble tout à fait. C'est-à-dire, si j'entre dans une pièce où il y a un mort, je deviens impur même si je n'ai pas touché le mort, même si je n'ai pas déplacé le mort. Parce que je suis sous le même toit que le mort. Chose qu'il n'y a pas avec la plupart des autres Toumot. Si par exemple il y a un lézard mort dans la pièce, et bien tant que je ne vais pas le toucher, je ne suis pas impur. S'il y a une Nevela, par exemple, une vache qui est morte, qui n'a pas été... qui est sans être égorgé, donc c'est une Nevela, c'est Metame Bemaga, même Bemassa, si je la déplace, sans la, je la déplace avec, on avait pris un exemple avec une poutre par exemple, je la déplace, je deviens Tamé, parce que je l'ai déplacée, mais si je suis en même toit, elle ne me rend pas impure. La seule impureté qui est communiquée avec le Ohel, c'est la Toumat Met, mais le mort. Il y a quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à cela, qui est le Metzora, le lépreux. Le Metzora Mouchlat, le vrai lépreux. Une fois qu'on a, le Kohen l'a vu, et il a dit, ça y est, c'est clair, mon pote, tu sors du Machané jusqu'à que ta lèpre passe. Pas la vôtre, jusqu'à que sa lèpre, elle passe. D'accord? Donc, le lépreux, il a une halakha particulière, c'est qu'il est plus ou moins Metamé Beoel. Il rend aussi impur sur le fait qu'on rentre sous le même toit, mais il y a quand même une condition différente. Il y a, d'abord, il ne rend impur que si lui se tient debout ou est assis, il est installé, mais pas s'il est que de passage. S'il est de passage, il rendra impur que si on le touche. Et celui qui entre dans la maison aussi, il y a des manières sur lesquelles il rentre. S'il passe très vite, à reculons par exemple, c'est sûr qu'il ne va, qu'il va pas devenir tamé, il faut qu'il soit bas, qu'il vienne. Il y a de la faute. D'accord? Ça c'est dû dans ma Maseret Tzarat. Ouais, Negaïm plutôt, il me semble. Ou à l'autre, peut-être, je ne sais plus. Engagé. En tout cas, concrètement, donc il communique à la Touma. Ce qui nous intéresse pour notre Mishnah, c'est le fait qu'il doit nécessairement être debout. Si par contre moi je suis assis, il doit être installé, fixe. S'il est assis ou debout, mais de manière fixe, et je rentre sous le même toit que lui, alors je deviens impur même si je ne l'ai pas touché. Ça ressemble à la Touma Tmet qui se communique par le OL. Par contre, si toutefois moi je suis assis ou debout, et lui, il n'est que de passage, il ne me rendra pas impur tant qu'il ne m'aura pas touché. D'accord? Alors, dans notre Mishnah maintenant, c'est le cas qu'on a vu. Atame Omed, l'homme impur, donc le Metzora, il est debout, il se tient, il est fixe. Ve Atahor Over, et l'homme qui est pur, il passe. Il faut préciser, précision importante à dire, j'hésite à la dire tout de suite, je préfère avancer dans la Mishnah et je reviens en dessus après, d'accord? Ok, donc premier doute, et donc on a le doute, est-ce que l'homme pur, il est entré sous le même... Il était par exemple sous un arbre, ouais, même sous un arbre, il y a Touma Ta Ohel. Donc le lépreux, il était assis sous un arbre, et moi je suis passé près de lui, est-ce que je suis entré sous l'arbre ou non? Première question. Ou bien le cas contraire. Atahor Omed, moi j'étais sous l'arbre. Et le lépreux, il est entré, mais il est entré, et il y a un doute, est-ce qu'il a trébuché sur moi, est-ce qu'il m'a touché ou non? Il y a quelqu'un qui m'a touché, c'est sûr, il marchait avec quelqu'un qui était pur, il marchait tous les deux côte à côte, il y a quelqu'un qui m'a mis un coup de pied, ouais, j'avais mon pied qui était passé, il m'a touché le pied, est-ce qu'il m'a rendu impur ou non? Alors ça va être la question. Ouais, on a un doute maintenant, est-ce que c'est l'homme pur ou l'homme impur qui m'a touché? Ou encore,
Touma birshuta yachid vetahara birshuta rabim, c'est le cas que je vous ai évoqué tout à l'heure, où il y a un morceau de poulet par terre, cachère, par terre dans la rue, dans le birshuta rabim, et un morceau de. Un cadavre de Nevela, par exemple, qui est posé dans le birshuta rabim, dans le birshuta yachid. Ouais, donc on a la Touma birshuta yachid et tahara birshuta rabim. L'objet impur dans le domaine privé et l'objet pur qui se trouve dans le domaine public. Ou le contraire, Tahara birshuta yachid, on a l'objet pur dans le reshuta yachid, et donc le bout de poulet, c'est la différence entre le poulet qui est même mort sans shrita, il ne rend pas impur si on le touche que si on le mange. Bon, c'est une halakha un peu particulière, mais en tout cas il ne rend pas impur si on le touche. Tandis que le morceau de Nevela, la vache morte, ouais, alors si on le touche, on devient impur. Donc c'est l'inverse, Tahara birshuta yachid. Le Touma Birshuta Rabim, l'objet pur se trouve dans le Irishuta Yachid, dans le domaine privé, le Touma Birshuta Rabim, et l'objet impur se trouve dans le Shuta Rabim. Et donc, après, ce qui s'est passé, c'est que ça fait Knaga, ça fait Klonaga. Je ne sais, on a un doute, est-ce que j'ai touché ou je ne l'ai pas touché, l'objet impur. Ça, j'en ai touché un des deux, je ne sais pas lequel c'était par exemple. Ou j'en doute, est-ce que. Ouais, d'accord. Ça fait Keil, ça fait Kloil, ou bien c'était un morceau de cadavre mort, d'homme mort. Je suis passé à côté, un kazaït de chair, et j'ai un doute, est-ce que j'étais ma'il, est-ce que avec, je suis passé au-dessus, donc j'ai fait moi-même le toit sur la touma pour qu'elle me communique la touma par la touma ta oil. Ou bien, ou encore, ça fait que l'oil, ça fait que hesit, ça fait que l'oesit, on a un doute, est-ce qu'il l'a déplacé ou il ne l'a pas déplacé. Dans tous ces cas-là, puisque il y a une éventualité que ça s'est produit dans le Reshut Hayachid, Rabbi Yoshua Metame, Vachachamim Metaharin. Rabbi Yoshua va nous dire, ah, peut-être que ça s'est passé dans le Reshut Hayachid, dans le doute, ça fait que Touma Birshut Hayachid, Tame. T'as un doute, est-ce que la Touma, elle s'est produite ou non dans le Reshut Hayachid, ce sera impur, tu seras impur. Vachachamim Metaharin et Vachachamim diront, non, puisque c'est possible aussi que finalement ça s'est produit dans le Reshut Arabim, le contact a été produit dans le Reshut Arabim, alors de ce fait, tu seras pur, puisqu'il y a encore le Reshut Arabim. Selon Chachamim, le Safek Touma Birshut Hayachid n'a été dit uniquement si je rentre dans une pièce qui est le Reshut Hayachid, mais j'ai un doute est-ce que j'ai touché ou non, mais si j'ai un doute est-ce que je suis entré ou non, peut-être que je ne suis pas entré, donc je suis resté dans le Reshut Arabim, dans ce cas-là, il n'y aura plus de Safek Touma Birshut Hayachid pour me rendre impur, de ce fait, je serai pur. Précision importante, maintenant je reviens en arrière, sur le premier cas, avec le Metzora qui était sous l'arbre. Donc il était sous l'arbre, et on a un doute, est-ce que je suis entré sous l'arbre ou non? Bon, il y a un problème technique. Quel rapport avec le Reshut Hayachid et le Reshut Arabim? Alors sous ça, le Ra'avad nous précise qu'on parle, là aussi en l'occurrence, que sous l'arbre, c'est un arbre qui descend, ou son feuillage descend assez bien, pour faire que c'est un endroit isolé, de ce fait qui est défini comme un Reshut Hayachid. Et puis moi, est-ce que je suis passé à côté, est-ce que je suis passé à l'intérieur ou non? Donc moi j'étais dans le Reshut Arabim et on a le doute est-ce que ça s'est produit dans le Reshut Hayachid ou dans le Reshut Arabim pour garder la même ligne de toute la Mishnah qu'on a un doute avec les deux Reshuyot. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.